bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors vous allez me voir bouger beaucoup, puisque j'ai mon abcès qui est revenu. Voilà, donc ça me fait mal. Alors, ça, j'ai une tête fatiguée. Attends, j'ai toujours une tête fatiguée, vous ne cherchez pas. Entre ça et j'ai la tête comme ça, j'ai mal au dos, c'est la fête. Là, aujourd'hui, c'est pas terrible. Hier après-midi, j'ai bossé. On a bien rigolé. Il faut qu'elle fasse un dodo. Ouais, j'ai déjà fait dodo. Mais c'est pas grave. Voilà. Fais pas bouger le pied, mon chat. Tu tiens en équilibre instable sur le lit. On voit pas. Non. On le voit pas. Si, on te voit. Ouais, mais on voit le bout de mon lit. Bref, donc du coup, j'ai terminé Bigoudi et Petites Enquêtes, Panique à Walbourg de Naël Charles. Donc c'est chez Narchipoche. J'ai bien aimé, franchement c'était rigolo. Alors oui, il y a un meurtre, ok, on est d'accord, mais c'est du cozy mystery, donc c'est toujours tourné un petit peu, pas en dérision, hein, parce que le meurtre par lui-même est quand même pas sympa. Mais j'ai bien aimé le personnage de Léopoldine, qui fait équipe avec Quentin Delval, un mec un peu de lui-même, mais complètement. Bon après il va changer au fur et à mesure, mais... ouais, non, c'était hyper sympa. Oui, si tu veux, après, tu pourras présenter. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. On est avec Léo, qui est divorcé, qui a deux enfants. Enfin, divorcé, non, elle est séparée. En fait, son ex-compagnon, c'est... Arrête de faire bouger la caméra, chérie. Il s'est barré avec sa sœur. Voilà, donc, autant vous dire qu'elle est moyennement contente, hein. Mais donc elle est célibataire depuis 5 ans, sa meilleure amie Magali est célibataire aussi depuis 5 ans puisque son ex-mari l'a trompée, elle aussi, et elles ont ouvert un salon de coiffure toutes les deux, et elles ont beaucoup de clientes, c'est un petit village donc tout le monde se connaît là-dedans, et il va se trouver qu'une de leurs clientes qui s'appelle Véro, qui est caissière dans le supermarché là où elles ont leur salon de coiffure, va être retrouvée assassinée dans sa voiture, c'est Léopoldine qui va la retrouver, hein. Et de là va s'en suivre l'enquête. Donc elle va vouloir prendre part à l'enquête. Elle va faire la connaissance de Quentin Delval, qui est le nouveau lieutenant qui vient d'arriver et qui est chargé de l'enquête. Et de là va se construire une enquête sur des secrets de famille. Enfin voilà, j'ai bien aimé. Même le dénouement, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et du coup, j'ai très très envie de lire le deuxième tome qui est sorti au mois d'octobre. Voilà. Ok, à moi. C'était un cozy mystery bien sympa. À moi de vous présenter. Vas-y. En fait, c'est une histoire que ça parle plein de choses, voilà. Mmh. Puis en fait, ben, y a une fille. En fait, une fille... qui s'appelle Lucie. Lucie, voilà. Ben, en fait, elle a rencontré une autre fille. Puis, la licorne, elle a mis une tour de magie parce que l'autre fille de Lucie, elle était méchante avec elle. Mmh. Du coup, la licorne, elle l'a transformée, elle avait plus de cheveux. Mmh. Puis après, la licorne, elle a passé du temps avec cette fille. Puis après, à la fin d'histoire, l'histoire c'était trop bien. En fait, il y a eu plein de choses qui s'est passé. Voilà, son père, voilà. En fait, elle s'est fait disputer, voilà. la licorne. Mais sa mère, elle était surprise dès qu'elle a vu la licorne. D'accord. Voilà. C'était super alors, mon. Ça t'a plu? Ouais, c'était trop. D'accord. Bien. J'étais à fond dedans. Voilà. Et là, j'ai entamé Murkmer de Patricia Elliott. Donc, on est dans un petit village qui s'appelle je ne sais plus comment. Qui s'appelle. Ouais, je ne sais pas du tout le nom du village. Mais une jeune fille qui s'appelle Agnès. Donc, son surnom c'est Aggie. Doit devenir dame de compagnie de Léa, la princesse du château de Murkmer. On est dans un monde où les oiseaux ont une importance capitale, puisque en fait ils sont considérés comme des dieux. Donc les oiseaux de la nuit sont terribles apparemment, les oiseaux de jour, ça va. Donc il faut les vénérer, ils ont des dévotions vis-à-vis de ces oiseaux. Attends mon petit chat, je vais terminer avant. J'ai un truc à oui, dire. 2 minutes chérie. Tu sais pas qui c'est. Si. Et en fait, du coup ils portent tous des talismans pour se protéger de ces fameux oiseaux.
Et il y a aussi, alors, selon la légende, parce que moi pour l'instant j'en suis là, on vient de raconter la légende, des Avias, qui sont des hommes qui ont voulu devenir oiseaux. Donc ils ont été maudits, donc ils sont mi-oiseaux, mi-hommes, voilà, j'en suis là. Le château du Murkmer est assez particulier. Tous les bouquins ont été enlevés, donc on dirait que Moi, c'est c'est une comme s'il fallait foire. pas que les gens lisent. Léa, la princesse, en fait, c'est la fille adoptive du châtelain, qui est ministre, en fait. Celui-ci est handicapé, donc il a un fauteuil roulant et tout ça. Avec sa femme, ils ont trouvé Léa quand elle était petite, donc ils l'ont adoptée, donc c'est elle la future héritière de Murkmer. Mais c'est une gamine qui ne supporte pas l'autorité, qui ne supporte pas qu'on la laisse enfermée dans ce château. Je pense qu'elle va en faire voir de toutes les couleurs à Agnès, hein, clairement. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai lu Elle a eu 45 pages. 57 pages pour l'instant. Donc voilà, j'ai lu 3 chapitres, 3, 4 chapitres. Maman, je croyais Ouais, que 4. t'avais lu. Maman, je croyais que t'avais lu 40 pages. Non. Donc voilà, donc le début c'est. Alors c'est du young adulte, enfin ou jeunesse, je sais pas trop encore. Bref, on va voir comment ça se poursuit. Je pense que c'est du young adulte. Pour l'instant, je sais pas trop comment passer. Penser. Voilà. J'aime bien le personnage d'Agnès. Léa, sort par les cheveux. Mais Maman, je pense que ça casse quelque chose. Donc voilà, on verra bien. ce livre, en fait, maman m'a dit que Murmère, je pense. le Murkmer, c'est un village, en fait. Non, c'est un château. C'est un Il y a le château. village autour. Ouais, le village autour. Tu m'as dit juste le village, toi. Oui, parce que je savais pas trop comment t'expliquer au début. Voilà. Bah écoutez, je reprendrai plus tard quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Là, on va aller faire les. Non, on est dimanche matin. On va faire les courses, toi. On va aller faire les devoirs. Voilà. Flemme. Ah, flemme, ouais, c'est ça, ouais. Moi, Allez, aller tout à plus tard. Alors, bonjour à tous. On est jeudi 26, je crois que c'est ça. 26 janvier. Bon, mon abcès, ça va, il a percé, il me fait moins mal. Moins, mais il me fait encore mal. Sinon, par ça, j'ai la crève. C'est trop la fête. Donc, vous allez me voir renifler, c'est génial. Je crois que la dernière fois, je vous avais dit que j'avais fini Bigoudi et Petites Enquêtes de Nile Charles. Voilà, je vais essayer de vous faire. C'est ma petite envie en ce moment. C'est de vous faire un point lecture sur chaque mois, ce que j'ai lu, voilà. Et vous faire un top de ce que j'ai préféré et ce que j'ai moins aimé. Voilà, donc il faut juste que je me laisse les livres avant de les mettre en boîte à livres, hein, parce qu'il y en a certains, vous savez, qui partent en boîte à livres. Donc vous faire un top du. Peut-être du. Je sais pas combien je vais avoir lu de livres. Là j'en suis déjà à 9, je vais en entamer un 10e. Donc peut-être que d'ici la fin du mois, j'aurai le temps d'avoir lu 10 livres. Donc mon top 10. Mais si un mois où j'en lis 5, et eh ben je vous ferai un top 5. Enfin bref. Voilà. Donc du coup, j'avais entamé, je ne sais pas si je vous l'avais dit, Murkmer de Patricia Elliott. Alors, comment vous dire? J'ai bien aimé cette lecture. Au final, donc on suit Aggie qui devient dame de compagnie de Léa, qui est l'héritière du domaine de Murkmer. Alors, au début, Léa me sortait par les yeux, sauf que j'ai fini par comprendre ce personnage. Enfin, voilà, pas longtemps en plus après là, vous l'avoir dit. Il me semble bien que je vous l'avais dit déjà. Et il y a plein de choses, il y a plein de mystères qui tournent autour de Léa, dont à un moment donné, Aggie va être dépositaire finalement. Elle va apprendre des choses sur Léa que Léa elle-même ne sait pas. Et j'ai bien aimé la relation qu'elles ont nouée entre elles. C'est un peu entre comme des meilleures amies, quoi, finalement. Je peux t'aimer, mais je peux te détester en même temps. J'ai bien aimé toute la partie sur les avias. Le problème, c'est qu'on en entend très peu parler. Alors, ils sont là, hein, en toile de fond. Mais c'est pas. Ça n'a pas été assez développé. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais il y avait tellement, tellement de choses à rajouter
Enfin voilà, ça aurait pu donner lieu à un tome 2, voire un tome 3. Il y a une, enfin, il y a un moyen d'exploiter quelque chose de bien, puisque au niveau, pareil, intrigue politique et tout ça, il y avait moyen de faire quelque chose de très bien. Finalement, c'est juste survolé. Alors, c'est du jeunesse, young adulte, on va dire ça comme ça. Clairement, bon voilà, je sais qu'on n'attend pas forcément un développement comme pourrait le faire pour les adultes, mais il m'a manqué ce petit truc de, il y avait plus de choses qu'on aurait aimé savoir. Je pense que même moi, l'ayant lu en étant ado, sachant que je lisais des trucs gore et tout ce que vous voulez, je lisais des livres adultes, hein, il m'aurait quand même manqué quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un livre que j'ai bien aimé, je suis contente de l'avoir lu parce qu'il m'intriguait. Maintenant, bah, je vais même pas le garder dans ma bibliothèque pour ma fille parce que je me dis, pour moi, l'univers n'a pas été assez développé, c'est dommage parce qu'il y avait tellement à faire dessus. Enfin, voilà, c'est dommage. Je trouve qu'il n'a pas été assez exploité. Cela dit, il était intéressant, il y avait de très bonnes idées. Mais il m'a manqué ce truc, quoi. Voilà. Ce développement des intrigues, de la mythologie des Avia, de. Même l'histoire en elle-même. Parce qu'on comprend des choses sur Léa et son père, sur Agui, des choses comme ça. Mais ça n'a pas été. C'était pas dans le fond, en fait. C'est survolé. Donc on peut s'imaginer des trucs, mais au final, on n'aura jamais la réponse finale. C'est ça qui a péché. Je suis désolée, j'ai très mal à la gorge. C'est génial. Enfin bref. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Ça me restera pas en tête énormément. Par contre, le mythe des Avias m'intéresse bien puisque je sais que c'est un mythe apparemment qui est issu du folklore britannique. Donc pourquoi pas essayer de creuser un petit peu et de chercher des choses. Maintenant, voilà, il me restera pas en mémoire pendant des années. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment des choses à faire. Ensuite, j'ai lu hier Le cœur régulier de Olivier Adam, donc c'est chez Point. Alors là, on suit Sarah, qui part à la enfin, dont le frère est mort, et qui part sur ses traces au Japon, qui va se découvrir elle-même en même temps qu'elle va redécouvrir son frère, hein, puisqu'en fait, ils étaient un peu comme des jumeaux, elle avait un an de moins que lui. Mais son frère était bipolaire, alcoolique, il avait des super côtés comme il pouvait être, c'est un peu un ange et un démon. Hein. Et au final, elle va le redécouvrir là-bas. Pour elle, elle est persuadée que c'est un suicide. Voilà, puisque son frère avait toujours des très grands moments où il était au creux de la vague et il remontait, mais ça durait jamais longtemps et tout ça. Et finalement, tous les deux, ils avaient fini par s'éloigner, puisque elle menait une vie très rangée. Avec son mari qui contrôle tout, dans un milieu très aseptisé, ils ont deux enfants mais qui suivent des études. Lui, il a un boulot très posé, il est directeur de banque ou un truc comme ça, je crois. Enfin, bref, il travaille dans une banque. Elle a un boulot mais qui la satisfait pas, clairement. Elle a du mal à s'impliquer avec ses collègues, elle a du mal. Après, les raisons qu'elle évoque, je peux tout à fait comprendre, puisque c'est le genre de truc qui, voilà, par moments, ça me saoule. Alors j'ai bien aimé, alors toute la partie niveau japonais, tout ça, c'était super intéressant. On suit Natsume qui empêche les gens de se suicider, enfin qui essaye d'empêcher les gens de se suicider, puisqu'en fait l'endroit où Nathan, puisque c'est le nom du frère, était allé, c'était à côté de falaises où il y a beaucoup de gens qui se suicident. Donc Sarah va se retrouver là-bas, elle va apprendre plein de choses sur son frère, mais sur elle-même. Voilà, bref, le début du pitch est comme ça. C'était sympathique, c'était un roman intéressant. Il y a juste, alors au niveau des phrases, des constructions de phrases, il y a des choses qui m'ont gêné, puisque il s'est fait exprès, hein, je le sais. Pas de virgule. Voilà. Sauf de temps en temps, il y en a une, mais alors moi, ça fait une succession des fois d'images où t'as pas de virgule, et moi, ça. Je pense que c'est voulu, je sais que c'est voulu, mais moi, ça me hérisse le poil. Ça me perturbe dans ma lecture, en fait. Clairement. Ensuite, c'est pareil. Elle va se retrouver, on apprend des choses sur son frère, mais je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez traitées, peut-être. Il y a des choses qui sont sous-entendues, mais j'aurais mieux aimé que ça soit plus approfondi.
À côté de ça, il y a par moments des descriptions ou des trucs où j'ai trouvé que c'était très long. Alors, c'est un roman qui est pas très long en plus, hein, il fait 217 ou 218 pages, un truc comme ça. Voilà, 219 pages. Et clairement, alors, il y a des moments où j'ai trouvé que c'était trop court, il aurait fallu approfondir, et d'autres moments où j'ai trouvé que c'était trop long et il aurait fallu raccourcir. C'était au niveau des descriptions, au niveau de certains trucs où je me disais, punaise, mais avance quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un roman, je suis contente de l'avoir lu parce que ça m'a redépaysé au Japon et que voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais pareil, alors je sais qu'il a été adapté au cinéma, je n'ai pas vu l'adaptation cinématographique, clairement. Je suis contente de l'avoir lu, il me restera pas en mémoire non plus. Voilà, donc c'est deux livres qui ne me resteront pas en mémoire, que je suis contente d'avoir lu, hein. Voilà. Donc vous vous doutez bien que déjà dans mon top 10, ben, ils vont être plutôt sur la fin, hein, puisqu'il y a eu d'excellentes lectures au début du mois de janvier, là. Donc voilà, donc ils vont être, je sais pas vous spoiler, mais ils vont être dans les fins, hein. Et j'ai décidé du coup de continuer le challenge Crétaville en lisant la catégorie, je crois que c'est nature, donc c'était quoi déjà? Attendez, j'essaye de retrouver. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, c'est pas grave, on prend pas plus bas. Bon, j'ai pas abîmé, parce que c'est ma maman. Ouais, charpentier, lire un livre avec du verre sur la couverture, qui se passe dans la forêt, où on travaille le bois, tout ça. Bon, bref, donc du coup, moi, il y a du verre, c'est les feuilles là, hein, ça fait nature, machin. Ça marche pour moi. Donc, Ils sont chez nous de Lisa Jewell. Ça fait déjà un moment que j'ai envie de le lire. Donc, ouais, hein, je vais m'y plonger. En plus, bon, voilà, je pense qu'il fait même pas 400 pages. Je pense que je devrais réussir à lire d'ici la fin du mois de janvier. Voilà, clairement. Et puis, voilà, vraiment, il me fait très très envie. Comme ça, c'est un livre en plus qui repartira chez ma maman, du coup. Hein, vu que je lui ai emprunté plusieurs livres, ben, c'est un de ces livres qui repartira. Et je suis très très contente. À côté de ça, voilà. Je vous expliquais un petit peu le planning des prochaines vidéos que vous allez peut-être avoir vues. Peut-être. Donc, est-ce que je vous le dis ou pas? Bon, vous aurez vu la vidéo avant, je pense. Je vais vous faire une petite vidéo récapitulative sur mes coups de cœur de l'année 2022. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à mettre des images. Mais oh, mon Dieu, c'est compliqué pour moi de faire ça. Je sais que c'est faisable avec l'application que j'utilise sur mon téléphone. Maintenant, j'ai jamais essayé, donc je sais que ça va me prendre un certain temps. J'ai commencé à reprendre un cahier, puisqu'en fait je mettais ça sur mon cahier de. Dans mon carnet de lecture, je renotais tout ce que j'avais acheté, sauf qu'à un moment donné j'ai lâché l'affaire parce qu'en fait il fallait que j'attende à chaque fois la fin du mois. J'avais décidé de faire ça, d'attendre la fin du mois pour noter toutes mes lectures, et sauf qu'en fait je me suis rendu compte que à la fin, eh ben, je le marque pas. Donc j'avais un cahier qui doit être dans mes cartons, clairement. Alors je pense qu'il était quasi fini de toute façon, donc c'est pas grave. Où je notais tous les achats que j'avais faits avec ce qui avait déjà été acheté. Enfin, là, j'ai pas. Je vais vous montrer un endroit où je l'ai commencé un petit peu mieux au tout début. J'ai pris mon ancien bullet journal parce que j'ai commencé à faire un bullet journal à début d'année. Finalement, j'arrive pas à le suivre. Je vais me concentrer sur l'agenda que Elodie m'a offert qui me convient très bien finalement. Voilà, hein, je vais me concentrer sur celui-là et puis ça sera très bien. Donc voilà, là, si vous voyez, j'ai commencé à mettre un code couleur en fonction de ce que j'ai, où est-ce que je les ai chopés, les livres. Si vous voyez des petits symboles, là, en fait, c'est un L avec une croix, ça veut dire, enfin une croix, une flèche. Donc ça veut dire qu'il a été lu et que, il est parti. Hein, donc il est sorti de ma bibliothèque. Donc ça peut être reparti en boîte à livres, ça peut être donné à quelqu'un, ça peut être rendu, à une personne à qui je l'ai emprunté. Voilà, mais en tout cas, je ne l'ai plus en ma possession. Quand je mets un R, ça veut dire qu'il reste dans ma bibliothèque.
Et au final, bon, j'ai beaucoup beaucoup de trucs à faire, mais j'ai commencé à relister en fonction des vidéos. Alors, vous imaginez que je me suis en train de me retaper mes anciennes vidéos où je renote tout ce que j'ai acheté. Et ça fait juste peur. Mais c'est pareil, ça va me donner un peu un. Sachant que début 2022, tout ce qui a été acheté début 2022. Quasiment, enfin, sur les 7 premiers mois, quasiment tout est en carton. Donc, je vais pas pouvoir les lire tout de suite. Donc, c'est pas que je me cherche une excuse, mais clairement, j'y suis pour rien. Hein. C'est ou en carton ou rangé dans mon container dans lequel je ne vais pas forcément beaucoup. Puisque là, en ce moment, il a beaucoup plu, tout ça, c'est très boueux et enfin voilà quoi. Hein. C'est pas terrible. Mais du coup, essayer au maximum de lire dans tout ce que j'ai acheté, donc mes derniers achats, des 6 derniers mois de l'année, et puis de ce mois-ci, essayer de lire le maximum de choses que j'ai achetées pour vider mes bibliothèques, puisque quand je vais récupérer une maison, ça serait bien d'en avoir lu beaucoup pour en avoir moins rangé. Hein. Tant pis, je re-remplirai la bibliothèque, c'est pas gênant ça. Mais. Sachant que bien sûr, il y a forcément des livres que je vais garder, sans doute bien. Genre voilà, j'ai acheté le troisième tome de Magic Charlie. Clairement, c'est une saga. Enfin, les deux premiers, j'ai adoré. Clairement, le troisième, la saga entière reste à la maison. Puisque je suis très contente et je suis sûre que ma fille, ça lui fera énormément plaisir de les lire plus tard. Voilà, il y a forcément des livres qui vont rester et d'autres qui malheureusement. C'est pas que je les ai pas forcément aimés. Alors, il y en a certains, si, j'ai pas aimé, hein, clairement. Ou j'ai abandonné pour X raisons. D'ailleurs, là, j'en ai un. C'est Ravage. C'est ça. Je me tâte encore à savoir si je le dégage ou pas. Mais je suis quasi certaine de ne pas le reprendre. Pour qui, pourquoi, je vais vous donner la raison. Donc, clairement, parce que, en fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a lu. Je vais vous montrer, il est là. Déjà, en plus, il est abîmé. Que mon beau-fils est dessus. Voilà, il a pris la poussière, hein, comme quoi ça fait vraiment un moment que je l'ai là. Il est. Voilà. Il est abîmé. Alors, je l'ai eu tout neuf. Hein. Donc, Ravage de Lison Carpentier. Le pitch me plaisait beaucoup. C'est une jeune femme qui est photographe, qui fait de l'urbex et qui va au final trouver un message, on va lui envoyer un message vocal, je crois, c'est sur son téléphone, je sais plus trop. Et elle va retrouver un adolescent à moitié mort, puisqu'il n'est pas mort, hein, avec des choses gravées, donc qui pourraient l'impliquer, alors qu'elle, elle a rien fait, hein. Mais le truc, c'est qu'en fonction du message qu'elle va recevoir, elle, pour sauver sa peau et celle de son fils, alors je peux comprendre, moi, s'il arrivait un truc à ma fille ou qu'on me l'a kidnappée et tout, je pense que je serais capable de tout. Mais de là à faire ce qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'au début du roman, ce pauvre adolescent qu'elle aurait pu sauver, pour pas que ça l'implique elle, elle va le brûler à l'acide, en fait, elle va le finir. Hein. Elle va rentrer chez elle, elle va réfléchir, elle va faire ça, elle va revenir. Non. Et donc, depuis que j'ai eu ce moment-là, non, j'y arrive pas. Alors, voilà, je suis désolée s'il y a des gens qui voulaient se lire ce livre. Je vous ai spoilé, hein, voilà, mais c'est le tout début du roman et c'est peut-être très intéressant, mais je n'arrive pas à repartir dedans. Parce que, voilà. Parce que moi je suis maman et je me dis si mon enfant disparaissait, qu'il y a quelqu'un qui aurait pu le sauver, ouais, je sais pas, non, en fait. Je sais pas. Voilà. Je comprends au point de vue de mère parce que tu feras tout pour sauver ton enfant, mais en tant que mère encore, te dire que quelqu'un aurait pu sauver ton enfant et elle l'a pas fait, voilà. Parce que je pense qu'il y a des moyens, hein, il y a toujours un moyen d'y arriver, quoi. Merde. Voilà. Donc, voilà, clairement, il dégage. Moi, de toute façon, voilà, rien qu'en en parlant, je sais déjà qu'il dégage. Voilà. Donc, ça sert à rien, je vais pas. Je l'ai abandonné. Il part chez la boîte à livres, hein, c'est bien. J'espère que ça plaira à quelqu'un d'autre. Il est peut-être très bien, hein. Je dis pas le contraire, mais moi, ça, j'ai pas pu, quoi. Voilà. Donc.
a atteint le seuil de ce que je supporte pas. Pourtant, j'ai lu des trucs avec des enfants qui meurent et tout, hein. Mais là, non, merde, quoi. Je sais pas. Bref. C'était peut-être pas non plus ce qu'il fallait que je lise, j'en sais rien. Mais j'ai pas du tout envie de retourner, donc. Voilà. Sinon, bah écoutez, j'ai déjà parlé depuis 17 minutes, mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Je vais essayer de vous reprendre pour vous parler, c'est ça, du livre de Lisa Jewell. Ouais, dans les plannings des choses à venir, bah vous aurez le book haul, mais vous l'aurez sûrement vu puisque je vais le poster demain. J'ai d'autres idées, mais pas beaucoup de temps pour réaliser. J'ai envie de faire plein de choses, mais il faut que j'arrive à trouver du temps. Là, clairement, j'ai la crève. Donc, en fait, ce matin, j'ai regardé des vidéos. J'avais même pas la tête à lire. Hein. Clairement, j'ai regardé des vidéos. Voilà. Je me suis avancée sur les vidéos que je n'avais pas vues. J'ai regardé la vidéo de Virginie Totally Brune sur les séries qu'elle regardait. Ça fait déjà longtemps que j'ai envie de la faire, mais c'est pareil, c'est toujours je ne sais pas mettre les vignettes, je ne sais pas mettre les trucs. Il faut vraiment que je la fasse où je vous parle de mes top séries, musique, livres, tout ça, qui m'ont marqué. Ça fait déjà plus d'un an et demi que j'ai en tête cette vidéo. Hein. Voilà. Pour vous dire à quel point. Bon, après, j'ai eu plein de choses cette année. Voilà. Faut que j'arrive à trouver ce que je veux faire. C'est compliqué. Ça me fatigue. Ouais, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Là, je vais vous laisser. Je vais aller manger. Je vais continuer à regarder des vidéos. Je vais continuer à faire mon petit carnet. Hein, puisque je voudrais vraiment finir de le mettre à jour. Et le mettre à jour au fur et à mesure. Hein. Voilà. C'est important pour moi. Et puis voilà. Pardon. Et puis voilà, et puis je vais vous laisser là parce que je parle pour rien dire. En plus, je bâille à la caméra, mais c'est catastrophique. Bref, je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve dimanche 29. Ouais, c'est ça, dimanche 29. On va clôturer le vlog ici. Hein. Ça aura fait une semaine, je pense. J'ai terminé hier. Ils sont chez nous de Lisa Jewell. Alors, c'était bien. C'est pas non plus. Voilà. J'ai bien aimé. L'histoire se lit très vite. Ça se bouffe à une vitesse. Donc, pour rappel, on est avec Libby qui vient d'hériter d'une maison. Elle vient d'avoir 25 ans, d'une maison où en fait son père et sa mère sont morts avec un autre homme qui n'a jamais été identifié. Et on l'a retrouvée, elle, dans cette maison. Elle était bébé, elle avait 10 mois. Hein. Donc, en train de gazouiller dans sa chambre, voilà, tranquille. Donc la maison était dépourvue de meubles et il n'y avait quasiment plus rien dans la maison. Ils étaient habillés de manière très étrange. Voilà, et donc elle va commencer à se poser des questions en parallèle. On suit Lucie, qui est une des enfants qui vivait dans la maison. Et Henri, qui est le frère de Lucie, donc l'aîné qui vivait aussi dans la maison avec les parents et tout ça. Et donc, on va suspecter une histoire de secte. Mais en fait, c'est bien au-delà de ça. C'est même pas. Une histoire de secte, c'est une histoire de manipulation mentale. Il y a beaucoup de choses qui le rentrent en ligne de compte. J'ai bien aimé la fin parce que clairement. Voilà, c'était juste la fin qu'il fallait en fait. Je vais pas vous en dire plus. Voilà, j'ai bien aimé. Après, je pense qu'il me restera pas longtemps en mémoire. Hein. Mais c'était une très bonne lecture. Par contre, ouais, voilà, franchement, si vous voulez vous plonger dans un truc, c'est super addictif, c'est super prenant. Pourquoi je vous dirais qu'il me restera pas en mémoire? Si, peut-être l'histoire globale, quoi. Après, les tenants, les aboutissants, pas forcément. Mais non, c'est une très bonne lecture, clairement. Je comprends pourquoi il a eu autant de succès. Donc voilà, et puis je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice, puisque c'est le premier que je lis. Et ouais, clairement, bah, c'est addictif.
Et on a envie de s'y replonger dedans tout le temps. Et voilà. Après, c'est des histoires qu'on oublie assez vite. Voilà. Mais je peux que vous le conseiller parce que voilà, c'était une très bonne lecture. Ensuite, je n'ai pas encore entamé, mais j'ai décidé de me mettre dans Le secret du Night Silver de Annalise Avery chez PKJ. Voilà. Donc, ça va être chose faite une fois que je vais terminer ma vidéo. Hier, mes beaux enfants sont à la maison, ma fille aussi. Bah, le temps que ma belle-fille, la grande, est allée voir son copain. Nous, on est allé faire des courses sur Cherbourg. On est allé se balader. Ma fille, je lui ai acheté une nouvelle paire de baskets Adidas parce qu'elle n'avait plus de baskets. Hein, c'était mort toute. Il lui reste une paire de bottines comme moi. Mais moi, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, je suis très très compliquée en basket et pas trouvé. Donc, on verra bien. J'ai acheté un plaid à mon beau-fils parce qu'il est toujours sur le canapé en train de piquer le plaid. Voilà, donc il en a à lui, il est content. Ma belle-fille, la plus jeune, elle a eu un peu de maquillage, un miroir et un diamond painting. Voilà. Et puis, bah, la grande, je lui ai repris du maquillage. Voilà, vous savez, pas jaloux, ils ont tous quelque chose. Et puis moi, ça me fait plaisir de leur offrir. Et du coup, eh ben, mon beau-fils, comme je leur fais tout le temps, voilà. Il dit tout le temps, oui, tu nous fais des cadeaux, tu penses jamais à toi, machin. Si je m'achète des livres quand même, pas déconner. Mais du coup, eh ben, il m'a acheté un cadeau. Il voulait absolument m'offrir un cadeau. Donc il m'a offert la tirelire Poufsouffle. Voilà. De Harry Potter. Elle est trop trop belle. Et alors maintenant, il y a les autres là. Je les ai vus hein, au magasin. Donc je pense que je vais me faire la collection des trois autres. Voilà. Hein. Une petite par mois, ça peut faire. C'est 20 balles. Donc bon. Ça fera de ça de moins dans les livres. Voilà. Mais ça va agrémenter ma collection Harry Potter. Quand j'aurai enfin une maison avec enfin une pièce à moi. Et ben, tout ça sera mes petites décos. Voilà, c'est très bien. Et puis bah du coup, je me suis trouvé. Hop! Une petite peluche blaireau. Tu dis coucou à la caméra? Avec ses petites griffonnettes. Non, voilà. Je voulais absolument une peluche Poufsouffle en fait. Hein. Voilà, bah du coup j'ai trouvé. Et elle m'a coûté 5 francs 6 sous. Donc voilà. Bah, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Le week-end n'est pas passionnant. J'ai fait des gaufres, voilà, si vous voulez tout savoir. Mes enfants sont contents. Et puis ouais. Du coup, il va falloir que je vous tourne. Là, je vais lire celui-là. Donc je pense qu'il fera partie de mes lectures de janvier. J'espère arriver à le lire jusqu'à mardi, parce que c'est bien, l'école est en grève. Je travaille. Puis alors, c'est la grosse journée, quoi. 9h-18h30. Tu vois, pas la petite journée de merde, quoi. Non. Donc je vais voir avec mes beaux-parents s'ils peuvent garder ma fille. Si c'est pas le cas, bah, ma fille va passer 2 jours chez mes parents. Voilà. Voilà. Ah, le mardi et le mercredi, j'aime pas ces journées-là. Il n'y a rien à faire. C'est des journées trop chargées, je fais que de courir, c'est. Je finis, je suis éreintée. Donc du coup, j'arrive le jeudi, je me dis ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis tellement claquée que c'est même pas la peine, quoi. Et là, avec ma crève, encore moins. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, je pense que ça va se lire très vite, hein. Il n'y a pas de raison, c'est du jeunesse. Donc, oui, et puis alors, c'est écrit extrêmement gros, hein, pour le coup. Donc, c'est très aéré. Donc ça va le faire, il y a même pas 300 pages. C'est ça. C'est 301 pages. Donc ça va le faire. Et puis j'ai hâte de me plonger dedans. Donc voilà, je vais essayer de continuer mon cahier pour finir de noter tout ce que j'ai acheté. Et puis voilà, ça va être bien déjà. Faut que je vous fasse le montage. Je vais essayer pour mes coups de cœur, pour essayer de vous insérer les vignettes. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que je me. Ça risque de me prendre une partie de l'après-midi. Donc, empiéter sur le livre, du coup. Voilà, parce que je suis vraiment une quiche. On va voir. C'est une catastrophe. Bon, allez, j'arrête de parler pour vous rien dire. Voilà, si vous jamais vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés cette semaine, ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'aime beaucoup y répondre. J'essaie de répondre le plus vite possible, en sachant qu'il faut compter que ma connexion, des fois, elle est pourrie, donc c'est compliqué.
Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis voilà, et puis moi je vous retrouve très très vite pour un prochain vlog et une prochaine vidéo.